Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose ces vidéos afin de partager avec vous ma pratique de l'informatique et du numérique. Eric, c'est aussi mon prénom. Donc, je vais vous proposer quelques vidéos pour la retouche photo, donc en utilisant notamment le logiciel Paint.net. Donc, Paint.net est un logiciel de retouche photo qui est gratuit. Donc ici vous avez plusieurs informations le concernant que vous pouvez retrouver donc sur l'encyclopédie Wikipédia. Donc cette première vidéo pour vous montrer comment le télécharger, l'installer. Donc si vous utilisez par exemple votre moteur de recherche, vous pouvez donc rechercher non pas paint.net mais rechercher donc get paint.net. Donc vous voyez directement dans la rubrique Download afin de le télécharger. Vous pouvez donc le télécharger à partir du Microsoft Store, mais donc là vous allez devoir donc payer le téléchargement. Donc vous pouvez cliquer sur le lien ici, Download Now. Et donc là vous voyez la version Paint.net qui est arrivée à la version 4.2.16 ici en juillet 2021. Donc je vais enregistrer ici. Donc le fichier d'installation que je peux retrouver ici en haut à droite lorsque j'utilise par exemple Firefox. Je vais lui demander donc d'afficher dans mon dossier de téléchargement. Donc vous avez le fichier donc compressé et là vous retrouvez donc le fichier paint.net. Il suffit donc de faire un double clic pour installer le logiciel. Et l'on peut suivre donc les étapes d'installation du logiciel. Voilà, donc là, soit vous pouvez personnaliser l'installation ou en version express, ce que je vais choisir. Et donc là, ici, vous pouvez accepter le contrat de licence et installer donc cette version de Paint.net. Vous pouvez toujours faire un don pour les développeurs du logiciel si vous le souhaitez. Et on peut laisser la case cochée démarrer Paint.net afin de faire un premier tour du propriétaire. Je vais le mettre ici en plein écran. Donc vous avez différentes fenêtres ici, donc une palette de couleurs qui est ici en bas à gauche, une palette d'outils qui est ici en haut à gauche. Une palette d'historique qui est en haut à droite et les calques ici en bas à droite. Donc voilà pour cette première vidéo pour le téléchargement et l'installation de Paint.net. Si toutefois cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et en attendant, je vous dis à bientôt.